Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, bonsoir les gilets jaunes, bonsoir le peuple, bonsoir tous les peuples, ravis de vous retrouver comme tous les soirs pour cet acte 23, ce samedi spécial gilets jaunes comme d'habitude. Alors bon, bah, c'était comme d'habitude un succès. Très rapidement, les chiffres. Alors, 27 900 selon le ministère de l'Intérieur, 101 125 selon le nombre jaune, 90 000 selon la police. Et puis, selon moi, vous prenez le chiffre du ministère, vous le multipliez comme je vous ai expliqué à chaque fois, vous le multipliez par 10. Et on trouve donc à peu près les mêmes chiffres habituels. Hein. On trouve aux environs, parce que ce chiffre-là, il a été donné tout à l'heure, un peu plus tôt. Donc nous trouvons à peu près les mêmes chiffres habituels, c'est-à-dire 400 000. Mais c'est un minimum, hein, c'est un minimum. Il y a toujours au-delà. Hein. Là, on parle de minimum. Alors, je vois que ma connexion est en train de souffrir. Vous savez, les amis, ce live sera uploadé de toute façon sur YouTube et donc sans aucun bug. Malheureusement, je suis abonné aux attaques sur mes connexions. Alors, on va voir si ça se règle. Si ça repart. Allez, je vais malgré tout continuer, les amis. Alors, on va regarder. On va regarder des images. Donc ici, c'est près de République. On va regarder justement ce qu'il ne faut pas faire. Alors. Voilà. Hop. Alors voici, près de République, les amis, voilà ce qu'il faut pas faire. Donc, alors on va enlever ça. Donc voilà, aller à la confrontation, je vous l'ai dit, il faut éviter, ça ne sert strictement à rien. Et puis ici, c'était donc près des parcours déclarés, donc ça. On sait que il y aura de l'orchestration, il y aura des confrontations avec les forces de l'ordre. Puis vous avez remarqué ce chant, encore une fois, républicain, maçonnique, qui appelle aux armes et à la guerre.
Et vous avez remarqué les drapeaux si fièrement agités en France sur les CRS avec le drapeau français, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et vous avez dû voir les white helmets, les casques blancs. Alors là, pour l'occasion, ils s'appellent les street medics qui sont en première ligne. Enfin, on se demande quel est leur rôle, hein. Ils devraient se mettre à l'écart et intervenir uniquement si besoin. Mais bon, moi je sais pourquoi ils sont là. Alors, ensuite, on va regarder. On va regarder une interpellation réglementaire qui se passe bien. Alors, je vois que ma connexion est dans un sale état. Je vais essayer de reconnecter. Alors, je vérifie. Donc ma connexion, ça va pas du tout. Je vais essayer de reconnecter. Alors, un instant, les amis. Ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. On va regarder donc ce contrôle qui est réglementaire, qui se passe bien. Et vous verrez donc le commentateur, pour lui, ça ne se passe pas bien. Pour que vous voyez à chaque fois la différence entre la perception de chacun. Allez, on regarde. Ils ont pas remettre les mains dans les sacs. Et en plus, ils touchent à l'arme. À poil dehors. Allez, vas-y. Voilà, comment le leadership est à poil? C'est pas légal de faire ça dans la rue là. Non, c'est pas légal. Non, non, mais il y a rien de légal là. Ni mettre les mains dans les sacs. Non, non, strictement interdit. Il y a rien de légal. Même ce qu'ils font, c'est pas légal. Pourtant, on les aime. C'est ça le pire. Et ça dérange pas qu'il y ait des dizaines de témoins. Non, puis l'oligarchie d'abord, il faut être contre l'oligarchie. Après, c'est dommage quoi. Bon, c'est tellement fait tapis que voilà. Non, mais ça passera pas. Non, on n'est pas ça là, monsieur. Ah ouais, c'est ma dignité, je lève, je suis là, et ce que vous ne pouvez pas prendre, c'est dans ma tête. C'est dans mon cœur. Je suis amoureux. T'es en cours. Messieurs, dames, reculez, s'il vous plaît.
Oublie pas de récupérer ton masque aussi et tes lunettes. Ça dérange qu'on filme. Et voilà. Allez, reculez, monsieur, dame. Donc ça se passe super bien, c'est un contrôle reculé et puis il a pu filmer sans problème. Vous voyez le décalage avec les commentaires, donc la perception de certaines personnes. Ça te dérange qu'on filme, et ben voilà, il se passe rien en fait. Et là, pour ceux qui connaissent Paris, pour ceux qui connaissent pas, c'est juste l'accès à la place de la République. Donc effectivement, on peut tout à fait comprendre que il y a des contrôles et des filtres pour l'accès à cette place qui a été choisie par les gilets jaunes merdiatisés, les complices d'orchestration et donc les con-bandits des gilets jaunes. Voilà. Donc voilà, ça se passe. Voilà comment ça se passe bien. Ici, regardez, ça c'est kiffant. C'est sur Paris. Quand ça se passe bien. Ça, c'est beau à voir. Tranquille, voilà, pas besoin d'aller chercher des cordons de CRS pour aller, je sais pas moi, se mettre torse nu ou se jeter sur eux ou aller vouloir faire des images ou les questionner pour leur dire combien tu gagnes. Moi au moins je travaille, je me fais 500 euros sur certains week-ends. Ah, vous avez vu, c'est une honte. C'est ridicule ce que font certains. C'est ridicule. Alors on a vu pareil les mêmes comédiens pratiquer les mêmes orchestrations. On va regarder d'abord un bout de ce live. De la Cosa Nostra, la Familia, la Familios Rodriguez. Allez, on va regarder un bout. Donc, il se comporte avec d'autres gilets jaunes youtubeurs, comme votre serviteur, avec donc des insultes, de la vulgarité, hein, et cet homme-là va sur les plateaux dire qu'il représente notre mouvement. C'est absolument scandaleux. Allez, on regarde. Moi, je me fais insulter parce que je deviens riche grâce aux jeunes. Non, on le dira. Non, il vous a fait bien le pipi. Rendez-moi un service, ouais. Si vous les mettez sur Facebook, vous dites que c'est gratuit. Rapproche la tête. Trop tard. Et juste vous mettez, c'est gratuit. Vous dites bien qu'il fait payer 10 euros le selfie. Pour tous les connards qui croient que je les fais payer. Hein, vous êtes témoin, j'ai fait des selfies gratuits.
Non mais tout à l'heure, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont eu le badge gratuit aussi. Il a été gratuit. Donc, place attends, des Invalides. Le François de mes couilles, je t'emmerde, et l'anti-imposteur, je t'emmerde deux fois plus. Ouais, et moi, parlé. Je suis avec toi. Bien parler. Voilà. Tiens, regarde, attends, montre-lui que je me fais des millions d'euros, là, regarde. Tu vois, les gens, ils me prennent en photo. C'est gratuit, je t'emmerde. Alors, on y croit très très fort hein, que tu te fais pas de l'argent sur les gilets jaunes avec tes pins et tes différentes entreprises. On y croit très très fort que tu t'es fait éborgner. On y croit très très fort que tu milites pour la lutte contre la pédocriminalité. On y croit très très fort que tu veux en finir avec la corruption de la franc-maçonnerie. On croit très fort à tout ce que tu nous dis, Jérôme. Comme ça. Et s'il n'est pas content, il vient me voir. Voilà, il viendra voir Luc. Allez, c'est parti. Ah, pardon. On est content ? Ah, grave. Bonjour, un peu derrière. Donc, remarquez, il est entouré des mêmes personnes, hein, plusieurs dames d'un certain âge, mamie je ne sais quoi, et vous verrez après que ces chauffeurs et chauffeuses de salle, lorsqu'ils appellent à acclamer donc Rodriguez, il n'y a pas vraiment foule. Hein. Ils sont entre eux, dans leur groupe. Voilà, la famille, on y va ? Ouais, Jérôme. Sinon, j'arrive jamais à décoller. On y va ? Ouais. Priscilla n'est pas là. Je ne l'ai pas vu arriver encore. Ah, d'accord. Je suis pas allé là-bas dans la masse. D'accord. Pardon, non, c'est pas toi que je voulais regarder derrière moi. Attention. Ah ouais. Voilà. Il y a des plus de la famille Jenny partout là-bas. Quand même. Hein. Donc là, ils sont ensemble. Ah bah, il y a des plus de la famille partout quand même. Hein. Là, quelqu'un qui regarde, il dit, ça y est, tout Paris est aux couleurs Jérôme Rodrigue. Tout le monde a acheté le t-shirt. Ok, ouais. Ah ouais. Bonjour. On est là. Ah bah tiens, finalement je les connais. Bonjour, tu vas bien? Ah bah, je les connais finalement. On avait rendez-vous. Bonjour. Du coup, c'est non, il m'a dit qu'il m'attendait devant les marches. Ah, ok. Alors, nous avons tout. Hein. Drapeau suisse, nous avons du street medic, du casque blanc. Là, ici, à l'image, une des mamies derrière ses lunettes noires, chauffeuse de salle. Qui t'attend devant les marches? Steph. Ah bah voilà, j'allais te demander parce que je l'ai pas vu non plus. Ouais. T'es qui? Je remets pas, je t'ai fait un petit message privé parce que comme je vois, moi c'était un petit live. D'accord. Ah tu sais, je reçois tellement de messages que. Je sais. Franchement, les têtes de mort, je ne sais pas quel gilet jaune peut s'identifier à ça. Mais c'est l'anti-notre mouvement des valeurs. Hein. Mais plutôt une croix ou mais rien du tout, mais pas une tête de mort, s'il te plaît. Ça, c'est des signes, nous le savons, hein, c'est des signes du diable sataniste. Mais bon, ça passe comme une lettre à la poste pour une grande partie de personnes. Hein.
Ah oui, oui, d'accord. ouais, super. Ouais, malheureusement. Ouais, malheureusement, ouais, voilà, c'est ça. Ah, super. De toute façon, vous allez au Facebook. Non. Peut-être après, mais parce que comme on a peur que ça... Du coup, toi, t'es le pote à Steph, c'est ça? Bah oui. D'accord. Steph, tu veux qu'on fasse, s'il te plaît? Eh oh, je suis pas ton porteur, ok? Non, mais mon garde du corps. Je te reviens tout de suite. J'ai amené mon garde du corps. Ah ouais. Il a pris son petit gilet jaune. Et voilà. Voilà, avec le bon bras. Ouais, il a des gros muscles. S'il y a quelqu'un qui m'attaque, bon, c'est lui qui me protège. Merci à toi. Voilà. Bonjour, question très rapidement, s'il vous plaît. Ah, ça va. Ouais, t'as raison. Non, mais t'as raison. C'est une question. Je n'ai pas lu lancer des appels. J'ai même son numéro de téléphone. Je vous appellerai. Bah écoute, j'avais le choix entre aquaponer et venir manifester. J'ai choisi manifester. Non, on est toujours là pour revendiquer, pour rester visible. Et surtout essayer de se faire entendre de la part du gouvernement, c'est à défaut de se faire éborgner, de mettre les choses en place pour que le citoyen. Donc toujours le même argument, je suis venu, on ne veut pas se faire éborgner, et puis si tu lui dis quelles sont tes revendications, bah c'est comme d'habitude, hein, il va t'envoyer dans une voie de garage habituelle en parlant d'impôts, d'ISF, mais jamais des vrais sujets, des guerres qui coûtent 300 milliards par an, de la lutte contre la pédocriminalité, des élites, des sociétés secrètes, de la corruption généralisée dans notre pays par la franc-maçonnerie, des vaccins, des chemtrails, du revenu universel. Non, 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 ça c'est... Ils ont tous interdiction d'aborder ces sujets. Ma petite Elena. Sois pas jaloux, Sylvie, hein. Oh non. Voilà. Faut pas dire ça, on est jeunes encore, hein. Ouais, mais enfin, bon, il a la bouteille quand même, hein. Il commence à tirer, hein. Il est plus près de la retraite qu'avant, hein. Encore ? Encore, ouais. Bonjour, au revoir. Attends, tout. La grande. Ça, c'est Mamie Caillou. J'ai retrouvé Mamie Caillou. Elle est belle, hein. Voilà, donc Mamie Caillou et l'autre mamie derrière. Et vous avez un petit groupe qui se déplace, mais bon, elle filme de très serré. Donc là, c'est celle qui filme, c'est celle qui est supposée être la sœur à Jérôme Rodrigue. Elle filme très très serré pour faire croire que toute la place est avec Jérôme, alors que bon, ben, vous avez des gens qui étaient attablés avec un gilet jaune à une terrasse, vous avez des personnes qui sont là, il n'y a pas un soutien massif, et même Jérôme est en train de donner une interview, on ne sait pas à qui, on ne voit pas comme ça les gens s'amasser pour toucher la star ou pour... Au début, donc il est avec ses connaissances, hein, lorsqu'il fait des selfies, et qu'il dit que c'est gratuit. Encore heureux. Elle est belle, hein, c'est ma mamie Caillou, voilà. C'est pirataille. Elena. Mais je veux mon bisou. Ah, vas-y, je t'en prie. Elena. Mamie Caillou, elle est connue. Ah, tout le monde, c'est notre mamie à tous. Ah oui. Ah, belle. Bien, bien. Vas-y, avance alors. Ça va. Bonjour. Hop. Je vais prendre un petit sandwich pour la manif quand même. Par où ? Beaucoup de monde, hein. Bonjour, allez.
Merci Sandy. Voilà les amis, hein. Je voulais juste vous montrer cette séquence. Les chauffeurs de salle, et pour Jérôme, allez, allez, c'est plus les gilets jaunes, c'est Jérôme. Hein. Et pour Jérôme, allez, allez, il n'y a pas vraiment d'écho. Hein. On va la remettre. Et pour Jérôme, allez, allez. Merci Sandy. Bon, vous voyez, les vrais passants, ils s'en foutent un peu. Hein. Il n'y a pas vraiment d'écho. Voilà, on va s'arrêter là parce que après, je vous avoue que c'est super saoulant. Ensuite, alors, on nous apprend, justement, un des comédiens nous apprend qu'il a défendu Jérôme Rodrigue et donc il s'est fait amocher encore une fois. Là, je parle bien, vous l'avez reconnu, super champion de la pleurniche, je parle bien de Ramos. Ramos qui nous avait fait déjà plein d'autres épisodes, qui était présent lors de l'orchestration à Bastille du faux éborgnage de son pote Jérôme Rodrigue, il était présent, et qui lui-même nous avait fait un numéro où il nous avait parlé de traumatisme crânien et qu'il était foutu pour ensuite nous faire une de ses super vidéos. Il était tout excité, on se demande comment il récupère ces gens-là. Et ben là, voilà, ça... Regardez déjà ses cheveux et tout, ça me fait penser à la photo de Jérôme Rodrigue de l'hôpital. Hein. Les photos comme ça, cheveux comme ça, les gens ils peuvent pas juste passer leurs mains, quoi. D'habitude il a un casque en plus, lui. Hein. Allez, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va la regarder. Voilà. On était sur la rue. On était là, posé. Il y a un policier qui vient interpeller Jérôme qui l'a insulté. Voilà, je voulais pas agrandir l'écran tout de suite, les amis, parce que franchement, ça fait plaisir. Parce que à l'époque, il fallait galérer pour voir un commentaire comme ça. Et là, ça fait plaisir. Regardez ce beau commentaire de Monique Caddy qui dit j'adore le ketchup, lol. Donc. Malgré tout, le boulot qu'on a fait, il paye quand même. Hein. Allez, on va la regarder en plein écran. Voilà. On était sur la rue. On était là, posé. Il y a un policier qui vient interpeller Jérôme qui l'a insulté. J'ai voulu le défendre. Et voilà. J'ai voulu le protéger pour pas qu'il arrive quelque chose à son œil. Et voilà. Ils sont tombés à 6 dessus. Patates, par terre, etc. Voilà la répression, voilà. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Merci, frère. Voilà. Voilà, monsieur Macron. Monsieur Castaner. J'essaie de protéger l'un des éborgnés que vous avez. Hein. On fait rien de mal. Je me mets, je m'interpose pour pas qu'il arrive de merde. Et regardez. Hein ? C'est bien. C'est bien. C'est bien. Bravo. C'est beau, hein ? C'est bien. C'est bien. Ah, mais le nez, il est cassé, là. Le nez, il est cassé. C'est sûr. Grave, ça se voit qu'il est cassé, ton nez. C'est bien. Hein ? Bah, bravo, c'est bien. Merci à M. Castaner. Au moins, je pourrais dire qu'au bout de 23 semaines, j'en ai pris aussi dans la gueule. Hein ? Comme quoi ? Putain, comment ils m'ont mis par terre ? Fils de pute. J'ai crié. Faites le travail, s'il vous plaît. Faites le partager. J'ai payé un œil, tu vois. Voilà. Faites le partager. J'ai juste voulu faire en sorte que mon frérot, il perde pas autre chose. Et elle est belle. Allez. Je vous tiendrai au courant, mais bon, bref. Je pense que le nez est cassé. Eh ben, moi, je pense pas. Mais bon. Ils sont capables de.
d'éborgner des faux yeux et de casser des faux nez. Et partagez, tout est partageable pour lui. Je n'ai pas compris parce qu'on avait vu donc la vidéo où il y avait Jérôme qui évoluait avec tout un staff. Comment on en est arrivé à cette séquence, où était Ramus, comment ils lui sont tombés dessus. Il y avait tellement de monde avec Jérôme, y compris ce gars bien musclé que la sœur de Jérôme, la supposée sœur, lui dit « Ah mais toi t'es bien, tu nous protégeras ». Et puis le colosse qui fait un doigt d'honneur en disant « Oh, moi je suis avec Jérôme ». Où sont passés ces gens-là? Avait-il besoin, Jérôme, de ce frêle, maigrichon Ramus pour le protéger? On n'arrive plus à suivre, à un certain moment, on n'arrive plus à suivre. Alors attendons, parce que moi je n'ai pas vu la séquence, certainement qu'elle va, elle va sortir à un moment. Pitoyable. Absolument pitoyable. Et ces gens-là sont pitoyables, donc c'est pas une nouveauté. Alors on va pas faire ça tout de suite. Tiens, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Non, on va pas faire ça aujourd'hui parce que c'est hors sujet. On va continuer. Allez, quelques petites infos et un bonus à la fin concernant cet attentat qui n'est pas autre chose contre un symbole très très fort des valeurs, de la France des valeurs, qui est Notre-Dame de Paris. Cette information que je n'ai pas vue relayée, donc une journaliste suédoise expulsée du Venezuela, et donc on apprend qu'elle est partie de Paris, comme par hasard. Donc elle s'est fait virer, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Alors au Venezuela, il nous explique bien qu'il y a, il y a au Venezuela 50 médias étrangers dont le personnel a été accrédité. Nous savons que les services secrets, par le passé, regardez le général Massoud, hein, il a été tué donc par des faux reporters, et nous savons que les services secrets n'arrivent pas comme ça avec leur carte « je travaille au service secret ». Ils sont reporters, ils sont journalistes, ils sont absolument tous les postes qui permettent d'aller dans un pays et faire semblant de faire autre chose. Ils sont les ONG, les associations, les religieux, ils peuvent être n'importe quel prétexte pour espionner et agir, monter une rébellion dans un pays. Alors là où c'est génial, c'est que regardez. Les médias français, donc on parle bien de TMC, le quotidien, ce torchon de manipulation. Donc là, on nous dit, ces dernières années, plusieurs journalistes étrangers ont été arrêtés et expulsés du Venezuela car ils ne disposaient pas de visa de travail. En janvier, Pierre Caillé et Baptiste Desmanstier, deux reporters de l'émission quotidien de la chaîne française TMC, qui, on se demande pourquoi elle continue donc à s'appeler TMC, parce qu'à la base c'était Télé Monte Carlo, mais bon, ça a été vendu à TF1, donc ça a changé complètement de nature. Pourquoi ils n'ont pas changé le nom? Donc, bref, qui n'avaient pas les permis requis, donc ont été arrêtés à Caracas. Ils filmaient aux alentours du palais présidentiel. Alors ça, c'est normal, tranquille. Dans un pays qui est en proie donc à une presque guerre civile, on a un reporter français qui va filmer
aux abords du palais présidentiel, tranquille. Si en France, personne ne peut s'approcher de certaines institutions, on peut même pas filmer l'école de nos enfants, on peut pas aller s'approcher trop des merdias, mais lui, tranquille, je suis français, j'ai le droit de tout faire, je vais aller filmer le palais présidentiel, tranquille. Bref. Et en plus, sans accréditation. Donc, quelques jours après que l'opposant Juan, tiens, un autre Juan Guaido, se soit autoproclamé président par intérim, ils ont ensuite été expulsés, et c'est tant mieux. Allez. Ensuite, regardons. Alors, je voulais juste très rapidement vous montrer ce qu'il faut pas m'envoyer, parce que ça passera jamais, et puis vous montrer combien ils sont nombreux. Donc là, c'est mon groupe, donc La République en panne, en photo. Mon groupe donc s'appelle France Gilets Jaunes, la vraie colère, et voilà les publications donc que je reçois, bien entendu que je laisse pas passer. Donc là, c'est la fake news que je vous ai démontré hier. Donc voilà, on voit que c'est un certain Albert Doublan. Donc ici, il a essayé. Ensuite, ou avant, il avait envoyé ça. Le 20 avril, tous les groupes Gilets jaunes à Paris. Et il nous montre dépôt d'une déclaration de manifestation. Et bien entendu, le drapeau français, on est fiers de la République qui va bien. Tu rigoles, mon gars, mais tu es mal tombé. Il faut te renseigner sur moi. Ça passe jamais chez moi. C'est envoyer les gens sur les lieux d'orchestration. Jamais. Et donc, le même Albert Doublan, il nous envoie ce dessin habituel de ces Rodrigue et compagnie qui, donc, n'ont qu'un but. Leur seul but, c'est destituer Macron. Mais on ne sait pas pour mettre qui. Mais les gars, vous voulez mettre qui? Parce que si c'est Jérôme Rodrigue, il est hors de question. Il n'y a qu'à voir comment il s'exprime. Mais vous voulez mettre en place un RIC pour donner de l'oxygène à la franc-maçonnerie pour qu'elle puisse échapper à la pression des gilets jaunes actuels. Mais vous êtes qui? Est-ce que vous savez qu'il y a de la corruption dans ce pays? Est-ce que au moins vous voulez vous renseigner et en parler? Vous voulez destituer notre président, d'accord? Et alors, il est mauvais. Moi-même, je n'ai pas voté pour lui. Vous voulez, avec les gilets jaunes constituants du 91, vous voulez réécrire notre constitution. Super. Vous voulez mettre en place le RIC. Mais qui êtes-vous? Pour mettre qui? Pour écrire quoi? Faut arrêter cette comédie. Donc tout sauf Macron, alors, il reste qui? Il reste leur pote Mélenchon, leur copine Marine Le Pen, et puis Asselineau, c'est même pas la peine, il aura 1%, et quand bien même, Asselineau s'entend très bien avec les francs-maçons, il le dit lui-même dans une vidéo, je vous avais fait un live là-dessus. Il y a même une loge qui a été créée, une loge franc-maçonne, donc au sein de l'UPR, ce n'est pas un secret. Tout sauf Macron. On va mettre Rodrigue. Ah, mais tiens, il s'est pas présenté. Donc on va être obligé de suivre le vote de Drouet, Marine Le Pen, ou le vote de Tissier ou d'autres, Mélenchon. Et vous rigolez? On s'est pas battu pour que vous nous rameniez toujours chez les mêmes... Salopard. Allez, je vous ai dit que je laissais le bonus à la fin. Alors,
Ici, juste une information très rapidement, avant que la pub ne se lance. Donc regardez, bon bah c'est pour moi c'est pas une découverte, hein, mais pour ceux qui ne savent pas, on nous apprend que les médicaments sont mauvais. Donc là, l'ibuprofène, le kétoprofène, mais moi je vous dis, tous les médicaments sont mauvais. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur cette information. Aussi cette information, alors là je suis en train de vous passer toutes les infos et pas toutes, il m'en reste plein que je n'ai pas passé les autres jours où je voulais faire des analyses spéciales. Donc là nous avons cet article du Figaro assez surprenant qui nous dit Trump qui a dit je suis foutu lorsqu'il a appris l'annonce de l'ouverture de l'enquête russe. Et d'ailleurs, c'est très très bien que Julian Assange n'est plus dans son sous-sol, parce que Julian Assange va pouvoir témoigner, il est très très bien placé pour nous expliquer si finalement Trump est impliqué ou pas avec les Russes. Parce que Julian Assange a diffusé les emails de Hillary Clinton et plein d'autres informations qui ont indirectement, on va dire, fait élire Trump et fait chuter Clinton. Moi, je trouve ça formidable, hein, parce que quitte à choisir entre la peste et le choléra, moi, je prends Trump. Hein. Clinton, le camp Clinton, c'est absolument un camp désastreux. Donc voilà, je ne vais pas rentrer pareil dans les détails de l'article. Le titre se suffit à lui-même. Ensuite, on va regarder, je vous avais montré donc une photo au début de Estrosi, qui on dirait qu'il a vu le diable. Je ne sais pas s'il peut encore être surpris, cet homme, parce qu'il est lui-même diabolique. Eh bien, c'était parce qu'il était tombé sur donc ce magnifique, comme il dit, journaliste de rue, Marco Isadora Duncan, qu'il a chopé. Alors, ça n'a pas duré longtemps. Regardez la terreur qu'il avait dans les yeux. Monsieur Estrosi, bonjour. Bonjour. On a vu des gilets jaunes faire des quenelles à Nice, un peu partout. Est-ce qu'il ne serait pas temps de monter des camps de concentration pour gilets jaunes? Où on envoie tous ces gens-là en camp de redressement et je ne sais pas, et on fait quelque chose d'eux. Les Niçois, après tout, ont voté pour vous parce qu'ils voulaient que vous ayez plus de poignes que Himmler. Vous me parlez de quenelles. Je suis le premier aujourd'hui. À en rire? À demander à ce que tout comportement xénophobe, antisémite, raciste et provocateur quel qu'il soit, fasse l'objet de très grandes et de très lourdes condamnations. Une simple attitude provocatrice, c'est suffisant pour vous pour demander une condamnation? Et il y a des choses face au drame qu'a connu l'humanité qui ne méritent aucune... D'où l'idée des camps de concentration pour gilets jaunes? Alors, la répartie magnifique, bien entendu, de Marco, mais surtout la vacuité verbale et intellectuelle de, ce qui n'est pas une découverte, de Christian Estrosi. Alors, restons avec Marco et regardons un autre manipulateur que je sais, vous allez tous être déçus, moi-même, bien entendu, mais ça fait des années, lorsque j'ai ouvert les yeux. Classé champion toute catégorie de la répartie avec Ruquier, j'ai nommé Laurent Baffy. Eh ben regardez, Laurent Baffy,
il n'est pas tout à fait gilet jaune, hein. Il prend la fuite. Alors, il y a un Isadora Marco a coupé son reportage sur Baffy en deux parties. Il a même suivi dans un supermarché. Baffy savait pas où se cacher, il n'avait aucun argument. Il essaye en permanence de mettre son intervieweur en difficulté en posant des questions au lieu de répondre en guise de réponse aux questions de Marco. Il répond par des questions, en fait. Est-ce que toi, qui es-tu? Pourquoi tu parles au nom des Gilets jaunes? Enfin, réponds. Allez, on va regarder. Le mec m'a demandé de couper ma caméra, on discutait sans que la caméra soit ouverte, et Laurent me dit, bon, allez, finis ton film. Donc genre, Laurent est prêt à la discussion, il est même pas intéressé par une discussion qu'on pourrait avoir en dehors de la vidéo. Je précise aux gens. Donc en fait, tu veux te faire un coup de pub, là. Avec toi? Oui. Ah bah c'est mon rêve, oui. Je pense que ça va bien rebooster ma carrière. Il y aura deux périodes dans ma vie, avant et après. Pas rebooster ta carrière, mais pas y mettre une épine. Non. Comme ça peut le devenir à cause des réseaux sociaux, à cause d'une mauvaise réputation. Anyway, ok, bon, on disait donc, qu'est-ce que c'est pour toi? Si t'es gilet jaune, en quoi est-ce que tu vas aider les gilets jaunes? Parce que c'est aussi un des propres des gilets jaunes, ouais. C'est qu'il y a de l'entraide. T'es censé aider ton prochain, surtout s'il est gilet jaune. Déjà, moi, quand j'aide mon prochain, j'en fais pas... Des caisses, des pâtes à caisses. Mais est-ce que tu vas faire quand même quelque chose que tu faisais pas avant, spécifiquement pour les gilets jaunes? Si tu es gilet jaune, ça devrait make sense. Je ne suis pas gilet jaune, je suis sympathisant des gilets jaunes, comme on peut être Jeffrey Youngley. Voilà, c'est des gens qui sont dans la merde, qui... Voilà le combat de toutes les élites, de tout le showbiz, de tous les merdias, de toutes les célébrités. C'est certains thèmes et pas les autres. C'est-à-dire la lutte contre l'homophobie, bien entendu. Nous, les Gilets jaunes, nous ne sommes pas homophobes et nous luttons contre toutes les phobies. Et la défense donc des pensions non versées des femmes. Bien entendu, nous voulons des pensions pour les hommes et pour les femmes, et il y en aura pour tout le monde avec le revenu universel. Mais ces gens-là, ils sont, c'est le monde pour eux, c'est uniquement ces deux sujets, ou peut-être encore quelques autres sujets. Le reste, c'est foutaise pour eux. Les guerres, ce qu'il est en train de lui dire, l'entraide avec les gilets jaunes, les vaccins, la pédocriminalité des élites, les sociétés secrètes, la corruption. Non, ça, c'est pas important, ça. Qui essaie de se faire entendre, ça me parle. Ça me parle, bien sûr. Maintenant, tu veux quoi? Que je te dise que je vais leur amener des tartes aux pommes au rond-point? Tu veux pourquoi que je te pas, dise quoi? Pourquoi pas? Allons faire pas. Un... Mais si je le fais, je te le dirai pas. Pourquoi pas? Mais tu peux... Moi, je te propose... Oui. Moi qui suis à moitié gilet jaune, selon certains, mais moi, je m'estime gilet jaune à 100%, 110 même, parce que je fais ça toute la journée. Allons ensemble sur un rond-point ou sur une manif. Et sans distribuer des... Bon, mais là, si j'y vais, j'irai pas avec toi. J'ai pas besoin de toi pour, d'accord, mais pour avoir un contact privilégié. Voyons l'interaction. Laisse-moi capturer l'interaction puisque je te donne l'idée. Ce serait quand même logique que je puisse récupérer des fruits. Non. Tu me donnes pas l'idée. Qui te dit que j'ai pas déjà discuté? Je suis pas arrêté. Mais il te manque un petit coup de pouce. Gros menteur. Voilà comment ils font. C'est-à-dire qu'ils répondent jamais. Et soit il pose des questions en guise de réponse, soit il bluffe. Voilà, c'est du poker, hein, c'est du castaner, il bluffe. On t'a pas vu sur un rond-point. Et si t'étais sur un rond-point pour en plus dire « ne me filmez pas », ça sert à quoi que tu ailles sur un rond-point? On veut pas de toi parce que t'as une belle casquette ou parce que on aime bien ta calvitie. On veut de toi parce que tu es une célébrité, parce que tu es abonné au Merdia, tu, tu,
tu monopolises avec d'autres nos écrans. C'est pour ça qu'on veut de toi, pour te filmer, te faire passer sur des lives et entendre et faire entendre que tu nous soutiens. Alors, bluffer comme ça en disant « qui te dit que je ne suis pas parti ?»« Ah, je suis déjà parti, tu sais. » Et pour en final, nous n'avons aucune image. Si c'est pour partir et évoquer la vie privée, mais arrête de te foutre de notre gueule. Tu dis, oh ouais, peut-être que j'irai, mais en définitive, vendredi soir, tu fais la... Je ne me suis pas arrêté déjà à discuter à un rond-point avec des gilets jaunes. Tu penses que je ne l'ai pas fait déjà? Je n'ai pas entendu que tu l'avais fait. C'est pas parce que tu l'as pas entendu que je ne l'ai pas fait. Et généralement, ils aiment bien faire de la publicité pour ceux qui sont venus. Ou alors tu leur as demandé de ne pas prendre de photos ou quoi que ce soit. Parce que moi, j'ai rien exactement, vu. Exactement, et c'était, pas, c'était pas sur Paris. Salut les filles. C'était pas un grand rassemblement. Et voilà. Ça va, Sandrine? Ça va, toi? Menteur. Mentir éhontement comme ça. Et même si tu l'avais fait parce que tu viens de dire « Oui, exactement, je leur ai demandé de ne pas filmer », c'est minable. C'est minable d'aller sur un rond-point juste pour pouvoir là sortir que tu es déjà parti un jour, garder les photos ou je ne sais quoi pour toi, et empêcher les gens justement de faire des lives avec toi ou de montrer que tu soutiens les gilets jaunes. Tu es un minable. Oh là là, ça se connaît, ça s'embrasse. Ça bonne émission. Marco, je suis allé bosser. Non, non, moi je trouve que tu t'es engagé à rien. À rien, je m'engage à rien. Bah, c'est dommage. Pas, moi, je trouve pas que c'est avec toi. Tu n'es pas le représentant des gilets jaunes. Tu as dit quand même, au début tu as dit que tu étais gilet jaune. Après, je suis sympathisant voilà, après tu as nuancé en disant sympathisant. Donc le tour dans le supermarché, t'as suffi à faire comprendre que tu étais peut-être que sympathisant et non pas gilet jaune, en fait. En fait, il y a peut-être une différence hébreu, primordiale. Je comprends pas ce que tu me dis, ça. Primordiable. Ce que tu me primordiale. Dis ne m'intéresse pas, en fait. Et puis c'est ces gens-là qui crient à l'antisémitisme. Hein. Il lui a répondu, c'est de l'hébreu. Ça veut dire que c'est comme si quand tu disais, c'est du chinois. Après, c'est les premiers à crier à l'antisémitisme. Pourquoi tu dis c'est de l'hébreu? Tu cherches à créer un truc inutile et c'est pas comme ça que tu vas aider le mouvement. J'ai l'impression non, moi que je te dis qu'est-ce que tu peux faire pour les gilets jaunes? Est-ce que tu viendrais? Je te dirais pas à toi. C'est tout simple. Non, mais si tu le fais, fais-en la publicité, même si c'est en dehors de moi. Quand je fais des choses, en fait. Je n'en fais pas la pub. Eh bien, fais-en de la pub parce que c'est bon pour les gilets jaunes, c'est bon pour nous. Et c'est, là, et c'est là où tu je prends pas. Je suis pas sûr que tu sois le plus gros représentant des gilets jaunes. D'accord. Ben moi je dis que moi je pense que certains gilets jaunes t'auraient dit ça. Que si tu vraiment tu es sympathisant gilets jaunes, tu devrais faire quelque chose pour les gilets jaunes. Quelque chose qui reste comme un Dubos qui ne deux jours plus tard ne dit pas qu'on est trop peiné ou trop hargneux. Et si tu le dis, qu'on en ait les images parce que les gens s'en sont pris à toi, quelque chose comme ça à la Finkielkraut. Mais je pense mais toi, pas tu que les gens. L'ambassadeur des gilets jaunes à toi tout seul, c'est non, toi. Non, j'ai pas dit c'est ça. Arrête de l'interlocuteur des gilets jaunes. Non, regarde comment t'es là. T'essaies de. Vous voyez, c'est flagrant. Il répond pas et il bombarde donc. Marco, de ses propres invectives et de ses questions surtout. Toi, t'es qui? Et toi, t'es le représentant. Mais tu le fais ou tu le fais pas? T'as quelqu'un qui te demande, oublie, il te dit pas qu'il est représentant. C'est un simple gilet jaune, il t'a trouvé, il filme, il est content, il te demande. Réponds, connard! Piégé sur un truc non, à la con. C'est toi qui essaies de piéger les gens. Mais bon, je t'ai ravi de discuter avec toi. Ok, salut. Ils sont minables, ces gens-là. Les qualificatifs me manquent. Alors, avant de vous montrer donc le bonus par rapport à ce qui s'est passé, juste regardez qui attend donc pour cartonner aux européennes. Voilà. Grand banquet patriote le 1er mai à Metz. Nombre de places limitées, donc il faut réserver. Marine Le Pen, Jordan Bardella, tête de liste du RN aux élections européennes,
et l'ensemble des candidats de notre liste vous invitent à un grand banquet patriotique. Et donc voilà, ils demandent voilà, l'emplacement, le déroulement, et ils demandent bien entendu participation de 15 euros par personne, payable à l'inscription, pas sur place. Et donc si vous voulez vous inscrire, c'est avant le 25 avril. On vous rappelle que le nombre de places est limité, et donc après vous cliquez sur le bouton réserver vos places maintenant. Voilà, on m'a envoyé ça. Il ne faut surtout pas voter pour ces gens-là, parce que les amis, juste vous accomplissez la prophétie d'économistes qui, je vous rappelle, avait prophétisé les gilets jaunes, avait prophétisé, mais pas que, hein, avait prophétisé aussi la destruction par incendie contrôlé de Notre-Dame de Paris, et a prophétisé après l'élection, donc enfin le triomphe des Le Pen aux européennes, a prophétisé la dernière carte, c'est la mort, avec une espèce d'explosion, d'apocalypse totale. Enfin, je veux dire, vous voulez qu'on y aille tout droit? Il faut faire échouer cette carte, tout simplement. Alors, le bonus, il est là. Eh bien, qui est derrière, entre autres, la destruction contrôlée de Notre-Dame? Eh bien, c'est le gros. C'est toujours le même. C'est Groland. Et avec Groland, bien entendu, il y a tous ces poulains. Alors, Macron, c'est un des poulains de Groland. Groland, le franc-maçon, bien entendu. Hidalgo, c'est une de ses... je sais pas si on dit poulaine. C'est une de ses poulaines. Il a plusieurs cartes, ce Groland. On dit même que... il a eu donc une relation avec Hidalgo, qu'ils ont un enfant ensemble. Alors moi, cette information, je ne peux pas la valider, mais c'est ce qui se dit. Alors, regardez, cet article, comme vous le voyez, date du 15 février 2017. Et regardez, le titre se suffit à lui-même. François Groland veut laisser sa marque sur l'île de la Cité. Voilà, c'est... Le mec, il est sur le point de quitter le pouvoir, hein, en février 2017. Il a renoncé à la présidence pour justement se cacher derrière Macron, le bébé Macron piloté, et Groland n'abandonne pas le fait de vouloir rattraper sa catastrophique, la pire présidence de toutes les républiques françaises. De mémoire, je n'ai jamais vu un pire salopard plus que Hollande. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, il essaye par tous les moyens de se rattraper. Il a échoué sur tous les plans, y compris face à Bachar al-Assad. Il n'a jamais inversé ni de courbe de chômage. Il nous a coûté un bras avec les 40 milliards du CICE. Il a triché sur les comptes de l'État. C'est la Cour des comptes elle-même qui parle d'insincérité. Et puis, sa place, elle est en prison, et puis il est là, il nous sort des livres, il intervient. Voilà, pour moi, vous qui pensez que Macron, c'est le pire, croyez-moi, il y a pire que Macron, c'est cet homme-là. C'est une absolue infection, cet homme. Donc, voilà, à l'époque, donc François Groland a présenté le grand projet d'urbanisme, un projet motivé qui pourrait transformer l'île d'ici 2040. D'ailleurs, si vous regardez la planche, la dernière planche que j'ai mise en guise de preuve pour maintenir que c'est un attentat à Notre-Dame, on parle aussi donc de cette transformation à l'horizon 2040. Alors, ces gens-là, tiens, elle est là, la Hidalgo. Ces gens-là n'ont consulté personne, ils ont décidé donc que les Jeux Olympiques vont se dérouler à Paris en 2024, et du coup ça tape dans tous les sens, c'est la panique à bord, et quoi de mieux justement pour préparer le terrain pour
absorber le tourisme malgré nous, que de nous pourrir la vie, de nous exclure de certains lieux pour faire leurs travaux, et carrément, vu qu'il y aura des blocages par tout ce qui est protection des monuments, par les classements, que ce soit français et internationaux, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait ce qui est très courant, les amis, c'est juste que vous faites pas de recherche et qu'il n'y a pas comme ça un inventaire des événements similaires, mais les destructions contrôlées par incendie pour ensuite vite reconstruire en plus moderne, mais c'est, vous pouvez pas savoir, presque tous les édifices sont rafistolés en permanence, et lorsqu'on n'y parvient pas, eh bien on y met le feu. On fait une autre méthode, mais toujours dans la même veine, de contourner les règles. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, les pyramides en Égypte ne tiennent pas seules. Elles sont en permanence restaurées, réhabilitées, reconstruites. C'est juste que vous ne le voyez pas, parce que à chaque fois, il y a des chantiers qui excluent le public, soi-disant, qui a des fouilles archéologiques. Ils se moquent du monde. Avec les moyens d'aujourd'hui, on arrive à voir que des pays comme la France ont du pétrole sans jamais avoir fait le moindre sondage, par satellite et par d'autres moyens, mais dans ce petit carré de Gizeh, il y a toujours des Égyptiens qui creusent des galeries à la main, et avec, comme vous le voyez dans les reportages, il faut vraiment y croire, avec des petits seaux et des pioches pour soi-disant découvrir encore des trésors. Moi je vous le dis, c'est pas la peine de chercher Cléopâtre, hein, elle n'a pas fini en Égypte, hein, elle a fini à Rome. Donc voilà, c'est toujours les mêmes francs-maçons. D'ailleurs, leur signe, c'est les pyramides, la pyramide du Louvre, c'est les obélisques, celle de place de la Concorde, pardon. Vous avez des obélisques un peu partout dans le monde. L'une des plus célèbres, c'est celle derrière le Capitole aux États-Unis. Voilà, là, il est évident, d'après ce que j'ai vu au début, qu'ils voudront, à la place de la flèche, que ce soit plutôt une espèce de mini-obélisque. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il dit? On va s'attarder uniquement sur la partie Notre-Dame. Voilà. Ce projet qui pourrait transformer l'île d'ici 2040 part d'un constat. Mis à part Notre-Dame de Paris, l'île centrale de Paris est aujourd'hui un labyrinthe de citadelles administratives qui n'incite ni les touristes ni les Parisiens à y rester. Donc, vous voyez, mis à part. Ce qui les intéresse, c'est Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire que le reste, pour eux, c'est des citadelles administratives, ils peuvent très bien les en faire ce qu'ils veulent, mais Notre-Dame de Paris est très intéressante et en plus est très protégée parce qu'elle intéresse les touristes. Ici, les citadelles administratives, tribunal et compagnie, ça ne leur aurait pas posé problème de fermer complètement au public et d'en faire ce qu'ils veulent. Alors là, on a quelques images. Et on a aussi une bande sonore de ce qui est passé à l'époque. De ce qui est passé à l'époque donc sur France Inter, vu que c'est un article de France Inter. Donc là, pour les personnes qui ne connaissent pas, voilà, elle est là. Elle est là, Notre-Dame. Voilà, donc
Groland a voulu vraiment laisser sa marque avec Hidalgo. Hidalgo, je vous rappelle, bon, ça, les merdiens n'en parlent pas. Hidalgo qui a subtilisé 100 000 euros minimum à la ville parce qu'elle faisait un emploi fictif. Voilà, vous voyez, c'est bien l'île qui est concernée et Notre-Dame, elle est là. Vous voyez, elle est ici, Notre-Dame. Et voilà, et là, les propos de cet homme ne sont pas anodins, ils sont même dangereux. Donc il parle de... Donc de sa grande ambition pour l'île, et il dit qu'il veut la mettre en valeur et la rendre accessible dans tous les sens du terme à tous. Un monsieur mariage pour tous. Alors, on va écouter la bande son. Refaire battre le cœur de Paris, ce projet d'urbanisme vise aussi à faire de l'île de la Cité une vitrine attractive de Paris dans la perspective des Jeux Olympiques et de l'exposition universelle. Avec son projet, l'architecte Dominique Perrault veut réenchanter le berceau de Paris, comme l'appelait Victor Hugo. Nous allons mettre en place des propositions pour qu'une promenade soit installée de Notre-Dame jusqu'au Louvre en longeant la Seine sur le quai sud. Nous allons imaginer une place, un peu comme la place Saint-Marc à Venise, dans la partie centrale de l'île, pour relier le palais de justice à l'hôtel Dieu, et donc une île révélée. Parmi les propositions, un embarcadère pour arriver en bateau sur le parvis de Notre-Dame et de nombreuses verrières au-dessus des cours de l'hôtel Dieu, de la préfecture de police et du palais de justice, avec des cafés, restaurants et boutiques. Le projet s'appuie sur une importante surface, libérée en grande partie par le palais de justice. Philippe Bellaval, président des Monuments Nationaux. Ça peut aller jusqu'à 100 000 mètres carrés, ce qui est absolument considérable sur un espace qui est somme toute assez restreint. C'est très respectueux de l'histoire et de l'environnement. Mais ces propositions d'urbanisme ont-elles un avenir? Car sous les ponts de l'île de la Cité couleront forcément des changements politiques. Eh ben non, parce qu'ici en France, il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de changement politique. C'est toujours les mêmes, les francs-maçons, et c'est des fausses élections, parce que peu importe là où vous votez, vous tombez toujours chez les mêmes. Et voilà, donc vous avez vu ce qui est préparé, ce qui était préparé, moi, mis à part, franchement, foutre un incendie contrôlé à Notre-Dame, je ne vois pas comment ils auraient pu faire leur chantier qui était signé, acté, je ne vois pas de quelle manière. Il va falloir peut-être trouver des architectes qui nous disent comment ils auraient procédé pour tout refaire, le parvis devant Notre-Dame, comme ils veulent, donc mettre... enlever le parking, mettre des restaurants et que sais-je, des expositions, la toiture de Notre-Dame, la modifier, je veux dire, tu peux pas toucher comme ça, faire passer le RERC qui arrive à Notre-Dame, faire une espèce de mini-port pour que les gens puissent aussi accéder par la Seine de bateau, peut-être de bateau-mouche, je ne sais pas. Mais comment ils auraient pu faire avec toutes les protections, encore une fois, les classements mondiaux, nationaux qui sont autour de Notre-Dame. Là, il y a tous les verrous qui sautent. Là, personne ne viendra dire à ces dégénérés « Non, non, vous savez, vous pouvez pas creuser ici, vous pouvez pas toucher au parvis, vous pouvez pas toucher à la toiture, vous pouvez pas toucher sur le côté, il y a des règles, c'est pas comme ça que ça marche. » Personne ne... Maintenant, tous les verrous ont sauté. C'est, allez, concours international et on va jouer. Voilà, les amis. Allez, on va s'arrêter là.
Donc ce live a été coupé sur Facebook, mais vous le verrez en intégralité sur YouTube. Donc je ne vois pas, je ne verrai pas les premières personnes qui sont intervenues, et je ne vois pas donc les personnes qui sont sur les autres réseaux. Je suis désolé, je vais essayer de régler ce problème là pour demain. Donc les derniers que je peux voir, bonsoir et bonne nuit Francis CH, effectivement il y a eu une coupure. Tony Nero, bonsoir. Laetitia Hutin, bonsoir. Sylvie Lesage, bonsoir. Sandy Rossi, bonsoir. Sandy, je sais que tu aimes bien Yo-Yo. J'avais filmé une vidéo hier et que là, franchement, ça fait trop, hein, une heure et quart. Ça fait trop, je ne la diffuserai pas, mais je suis parti courir avec lui et il tirait la langue, il faisait chaud. Le Yo-Yo, il était KO. Et je voulais bien filmer. Je vous le montrerai une autre fois. Olga Santos, bonsoir. Max Moondog, bonsoir. Oui, apparemment, on peut voir, si on veut s'amuser, comme eux, ils s'amusent, on peut voir 88, donc, sur Rodrigue, son gilet à la noix. Jobson Joe, bonsoir. D'ailleurs, bon, je vais le dire, j'étais déçu de voir Dieudonné donc se faire inviter dans cette chaîne à eux, celle de comment il s'appelle, Rambo, et puis prendre le premier gilet jaune. Il était où ton gilet jaune, Dieudo? Franchement, prendre le premier gilet jaune et l'enfiler, bon ben voilà, c'était un gilet jaune avec leur inscription à la con. Dieudo, fais attention. Allez, Magali Rainbow, bonsoir. Jobson Joe, je crois que je t'ai salué. Effectivement, Ramousse, j'aime bien comment tu l'écris. Ra, plus loin, mousse. Milou Micha, bonsoir. Oud Salim, bonsoir. Isabelle Isa, bonsoir, et pardon, la belle Isa, bonsoir et bienvenue. Donc tu dis, ils sont en train de perdre leur cote, c'est leur avenir carriériste qui est en péril, absolument. Et on va pérenniser le mouvement Gilets jaunes, parce que ne serait-ce que de voir à chaque fois leur tranche décomposés et leur orchestration absolument ridicule et nullissime, et à un moment ils vont arriver à la fin, ils n'auront plus rien. Là on se demande, Drouet, qu'est-ce qu'il va nous sortir encore comme invention, parce que là il a fait l'ultimatum 2 qui est j'ai dire qui est une pure hérésie, une pure connerie. Bon, là on va voir qu'est-ce qu'il va nous sortir. Ça va être la guerre mondiale 3 ou je ne sais quoi. Asya Marie, bonsoir et bonne nuit. Et bonne nuit et bonsoir à toutes les autres personnes et tous les autres. Les autres personnes, ça englobe les deux sexes. Donc à toutes les personnes qui n'ont pas laissé un commentaire ou qui regarderont ce live plus tard. Donc je vous rappelle que vous aurez ce live complet sur YouTube. Je dis ça pour les amis de Facebook et des autres réseaux. Dès que je l'aurai uploadé, je vous mets le lien dans le corps de la publication. Mes chers amis, on se retrouve comme d'habitude. Il est 23h16, donc demain soir, comme d'habitude, pour un live. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne nuit, un très bon samedi pour les personnes qui sortent. Je me rends compte que j'ai omis. Alors, allez, exceptionnellement, et je vous dis bonne nuit après. Je me rends compte que j'ai omis de vous montrer quelque chose d'important. Alors, cette vidéo, encore une fois, je ne peux pas la certifier, mais elle est sourcée et il paraît que c'était donc à Paris pour l'acte 23 il y a à peine une heure.
Donc je vous la montre à toute fin. Et on finit là-dessus. Donc vous verrez, c'est assez c'est chaud. Allez, on regarde cette séquence. Mais encore une fois, ça peut ne pas provenir de ce soir, de l'acte 23, et ni de Paris. Mais elle est présentée comme telle. Allez, on regarde. Donc voilà les amis, à vérifier absolument. Je vous souhaite une bonne nuit.